Gallomère vivait un sorcier appelé Zarok. Cet homme, arrogant et sans pitié, haïssait ses concitoyens pour leur vie calme et leurs mœurs paisibles. C'est pourquoi il leva une armée de démons et partit à la conquête du royaume. Le champion du roi, Sir Daniel Fortesque, mena les troupes dans la bataille contre cette horde d'hérétiques. On chante encore ses prouesses pour célébrer la manière dont il dirigea la puissante charge contre les ennemis maudits, battit en défaite les démons, les fauchant un par un, et la manière dont, bien que mortellement touché, il parvint à totalement anéantir le sorcier. Le nom de Fortesque fut dès lors associé à celui du héros de Gallomère. Et la paix s'instaura pendant 100 années, jusqu'au jour où le sorcier réapparut. Bonsoir, bienvenue sur ce stream sur Medieval. Cinématique. Bon, là, dit comme ça, on sait pas trop à quoi s'attendre. On va vous aider un petit peu.
Voilà. Enfin le menu principal. On va pouvoir toucher 2-3 trucs. Bonsoir le chat, bonsoir Nino qui est là, bonsoir aux autres, je suppose que vous êtes là aussi. On va baisser un petit peu le son quand même. Les dialogues, on va les laisser. Ok. La langue, on va la laisser en français parce que sinon ça va être galère. Bonsoir Draken. Ok. C'est bon? Ok. Bien. Medieval. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai enlevé le retour parce que ça me fait vraiment bizarre. Hop là. Bien, le temps de le commencer. Medieval, c'est un jeu qui a 20 ans maintenant. Il est sorti sur PlayStation à l'époque. Et il se trouve que, surfant sur la vague du succès de la ressortie de Crash Bandicoot, sur le succès de Spyro, PlayStation et donc Sony se sont dit, tiens, allons, il y a un autre grand classique qui était sorti à l'époque, c'est Medieval. Il est passé il est moins connu que les deux autres, mais il a fait quand même un grand succès, pour son premier épisode en tout cas. Et donc, voilà, c'est un jeu que je suis censé connaître. Alors je dis censé parce que effectivement c'est un jeu que j'ai fait il y a 20 ans quand il était sorti, donc sur la PlayStation 1. Le truc c'est que je sais que je l'avais beaucoup aimé, mais je ne m'en souviens plus. Je ne me souviens plus de ce qu'il faut faire. Voilà. Pardon. Ça m'a l'air super pour ce soir d'Halloween, Nino. Oui, et eh bien c'est fait pour en même temps, c'est fait pour. Ce que je vais faire, c'est que avant de lancer correctement le jeu, je vais vous parler. Ça me rajeunit pas, non, en effet, ça me rajeunit pas, j'avais pas de barbe à l'époque. Je vous propose une petite rediff, mais là je vous la fais en live. C'était une chronique Regarde dans le rétro que j'avais fait il y a quelques temps pour Ivasson Studio, justement. Et je vais vous la redire en live, je vais pas la rediffuser parce que c'est pas intéressant, autant que je la redise. J'ai essayé d'être un peu plus rapide quand même. Et après on attaquera ça, si vous avez des questions n'hésitez pas, si vous avez des questions sur d'autres choses, on verra bien. Imagiro, bonsoir. Salut, tu passes pas ta soirée sur Luigi's Mansion? Non, alors en effet j'ai reçu Luigi's Mansion dans la boîte aux lettres ce matin, mais non, Luigi's Mansion, peut-être que quelqu'un d'autre le fera, en tout cas je l'espère. Et disons que Medieval fait un peu plus peur que Luigi's Mansion, même s'il fait pas trop peur. Et voilà, je me sentirais peut-être plus à l'aise dessus que sur Luigi's Mansion, parce que personnellement je n'en ai fait aucun Luigi's Mansion de ma vie, honte à moi. Bien, un petit regard dans le rétro sur Medieval, c'est parti. En cette période festive et morbide de Halloween, je vais vous conter l'histoire de Sir Daniel Fortesque. C'est un Écossais du XIIIe siècle qui était un chevalier du roi Pérégrin, lui-même dirigeant du royaume de Gallomère. Daniel Fortesque, c'était un champion du roi. Il a dirigé l'armée du royaume lors de la première guerre de Gallomère, qu'il opposait à l'armée de morts-vivants levée par Zarok. Zarok, c'est le sorcier que vous avez vu un peu plus tôt dans l'écran. Un sorcier nécromancien qui était lui aussi un ancien conseiller du roi, mais qui s'était exilé lui-même car il ne supportait plus la joie de vivre, le calme et la sérénité des habitants du royaume. Mais Sir Daniel et son armée ont mis en déroute Zarok et ses sbires démoniaques avant de succomber lui-même au combat. Le roi lui fit alors ériger une crypte royale pour qu'il puisse reposer en sauveur. On raconte encore ses prouesses 100 ans plus tard. Du moins, c'est ce que dit la légende, car la vérité, elle est ailleurs, totalement, et tous ceux qui la connaissent sont morts depuis bien longtemps. En fait, au tout début de la bataille, Sir Daniel Fortesque fut mortellement touché à l'œil par les flèches des archers ennemis, ce qui n'empêcha pas l'armée du roi de vaincre les démons, le sorcier ayant pris la fuite. Le roi a quand même décidé d'honorer la mémoire de son champion et lui a attribué malgré tout la mort du sorcier, le sauvant d'une fin ridicule dans les livres d'histoire. Mais l'âme du chevalier ne peut siéger au hall des héros car les cieux, eux, ne peuvent être trompés. 100 ans plus tard, le royaume est toujours paisible et tranquille, jusqu'à ce que Zarok revienne avec un puissant sort qui lui permet de voler les âmes des habitants de Gallomère. Il endormit la population avant de déchaîner sa magie noire et a pu contrôler les âmes du village à sa guise. Il s'en servit pour ranimer les morts du cimetière et tenter d'achever son sombre dessein d'il y a un siècle. Et là, c'est la cinématique qu'on vient de voir. Mais le sorcier Zarok oublie sûrement un petit détail, parce qu'en ranimant les morts, il permit aussi à Sir Daniel, du moins son squelette, d'être aussi affecté par le sort. Donc l'ancien champion du royaume n'est plus sous le contrôle du sorcier, on va tenter de déjouer les plans machiavéliques de Zarok,
et pouvoir ensuite prouver qu'on est un véritable champion et rejoindre le hall des héros. Vous comprenez donc qu'on va incarner Sir Daniel Fortesque dans le jeu. Donc, pardon. Donc voilà où commence l'histoire de Medieval, c'est là où est-ce qu'on en est. Medieval, c'est la contraction de médiéval et de evil, le mal en anglais. C'est un jeu d'action-aventure qui est sorti en 98 sur PlayStation 1. Il a été développé par Sony Computer Entertainment, par des studios de Cambridge plus précisément. Il a marqué ceux qui ont joué de par sa qualité esthétique pour l'époque et la sensation ludique qu'il procure. Donc on est dans un univers médiéval fantastique, assez sinistre. Le concepteur du jeu, ça s'appelle, il s'appelle Chris Sorel. Il a toujours été fan d'imagerie gothique. Et tous les décors quasiment sont inspirés des films d'animation de Tim Burton. Et plus précisément, L'étrange Noël de Mr. Jack. Hein, je ne vous présente pas celui-là, vous le connaissez. Et à l'origine, il voulait développer une version 3D de Ghosts and Goblins, un jeu d'arcade qui est sorti en 85. Mais il est parti sur autre chose au final. Medieval, c'est en gros une fusion de ces deux univers, mais avec une perspective en 3D. Et c'est le premier jeu 3D du studio de développement à ce moment-là, ce qui était un réel exploit technologique pour la console d'alors, la PlayStation 1 pour rappel. Et c'est un des premiers jeux qui supporte le DualShock de la PlayStation, une vraie prouesse technique qui est également facilitée par la puissance de la console de Sony. Et donc c'est par la suite qu'ils ont commencé à dépasser les limites géométriques et à fournir des vraies grandes finesses graphiques. Alors pour l'époque, attention, pour l'époque, si je vous dis qu'on refait le jeu de l'époque maintenant, on va avoir mal aux yeux, vraiment. C'est pour ça que le remaster est très intéressant, même s'il n'est pas sur des graphismes très au bout du jour, il est quand même beaucoup plus visible qu'à l'époque, parce que bon, c'était quand même très, très géométrique à l'époque. Ça fait beaucoup d'époque. Mais bon, à cette époque, encore une fois, les graphismes étaient clairement supérieurs par rapport à ce qui se faisait ailleurs. Voilà, donc on va passer sur le jeu. Je vous dis pas qu'il y a eu un épisode 2 un peu plus tard en 2000, qu'il y a eu un remaster sur PSP mais qui est totalement foiré. Là, on est sur Medieval version PS4 remaster d'aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. Je ne l'ai pas encore lancé. On verra bien. Et merci Féline36 qui follow. Oui, ça change. Voilà, ça c'était notre personnage, Sir Daniel Fortesque. Il a une belle gueule, hein. Imaginez s'il avait la peau sur les os. Sir Daniel Fortesque est ressuscité. Voyez, le héros de Gallomère tombé dès la première charge. Le voile de la guerre et les linceuls du temps ont conspiré pour changer le vulgaire soldat en sauveur. Nous savons ce qui s'est vraiment passé. Laissez-le donc en paix. Le destin lui a donné une seconde chance, celle d'oublier l'affreuse vérité, de vaincre Zarok et de s'élever enfin à la hauteur de la légende. Souhaitons-lui bonne chance. Bonne chance. Alors, je crois que les doublages ont été refaits. J'ai un doute, mais... Ah oui, les graphismes, en effet, ça a bien changé. Ah, ça fait plaisir.
Bon, alors, on doit lire des livres. J'imagine que tu te sens un peu rouillé après ces 100 ans de repos forcé. Va donc faire un tour dans la crypte pour te dégourdir les os et renouer avec la vie. On reconnaîtra la doubleuse. Là, c'est Ralga qui est censé connaître. Alors, on a d'autres livres à lire. Ah, il y a un truc là. Voilà. Argent. Les trésors que tu dénicheras s'ajouteront à tes gains. Tu pourras t'en servir pour acheter des objets aux cupides gargouilles marchandes. Oh là là, dépense son argent chez les marchands, comme dans tous les jeux. Bien entendu. Alors, Imagiro, j'ai fait aucun Luigi's Mansion et franchement, c'est cool. Tu m'étonnes. J'espère qu'il en sera de même de mon côté et du côté de peut-être Yakipon. Nino, il est en raid Villa en parlant de Ralga. Ben oui, c'est pas très... Quoique s'il est sur un raid ou un donjon un peu Halloween, ça va. Tu te sens enfin prêt à quitter la crypte? La sortie t'attend au bout du couloir. Pour déverrouiller l'accès, tu dois te munir d'une pierre runique et la déposer dans la main dorée que tu trouveras près de l'embrasure de la porte. Trouver une pierre runique déposée dans une main dorée, ok. Tu trouveras des flacons de vie partout dans Gallomère. Ils contiennent la même magie que celle qui t'a éveillé de ton long sommeil, et ils peuvent te ramener à nouveau à la vie. Quand tu vois que ta santé est basse, utilise un flacon pour te requinquer un peu. Et surtout, n'oublie pas de le remplir dès que tu peux. Bon, jusque-là, ça va. Voilà, encore plus de vibrations dans la manette. Donc là, c'est... Il va falloir mettre la... Ah, j'ai eu peur que je l'avais déjà. Laissez le ton quand peut. Ah, mais on l'a déjà vu ça. Le destin, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu. Merci. Ah, voilà, toujours revenir sur ses pas. Argent, coffre. Caméra sur 20, sinon c'est pas drôle. Votre tombeau. Je sais plus ce que c'est ce qui nous suit là, l'espèce de fée un peu comme dans Zelda. Certaines armes sont empreintes de pouvoir et de capacités extraordinaires. N'oublie pas de tester chaque arme afin de découvrir sa capacité secondaire. Certaines capacités sont à effet immédiat, mais d'autres peuvent avoir besoin de temps pour se recharger et atteindre tout leur potentiel. Alors, appuie longuement sur... Attends, est-ce que j'ai une limite de munitions ? Oui, j'ai une limite de munitions, ok. Bon, on a trouvé la rune. Au cours de tes pérégrinations à travers Gallomère, tu amasseras de nombreux objets. Pour y jeter un œil ou en utiliser un, ouvre ton inventaire. Tu y trouveras également le grand livre de Gallomère, qui répertorie tous les habitants que tu as pu rencontrer et qui octroie un savoir précieux, comme seule une voix désincarnée est en mesure de le faire. C'est un jeu à collectible, j'avais zappé. Bonjour le 100%. Ça te plaît bien pour l'instant? Je suis pas encore sorti de ma crypte, de mon tombeau. Hein. Mais regardez-moi cette démarche. Lol. Taper. Ok, là il fait 0. Ça c'est...
Bon, il s'appelle Gareth dans League of Legends. Ah ok, ça c'est bloqué, pareil. Ok. Ça on s'en fiche, ça on s'en fiche. Ok. Retrouve ce traître de Zarok en retraçant son funeste périple à travers Galomer. Pour atteindre la sortie d'un lieu, il te suffit de suivre les traces fétides et visqueuses que laisse sa terrible magie. Ok, bon, bah, suivons les traces fétides et visqueuses. Ah, la carte. Parcourir. Choisir, quitter. Il n'y a pas d'autre option. Je voudrais juste avoir. Pardon, juste un grand plan sur la map. Non. Non, bon, d'accord. Les chargements seront un petit peu longs, hein, comme bien souvent sur la Play. Le reste de la carte semble grisé, donc ça m'étonne pas. Ouais, mais j'aurais voulu savoir la taille à peu près, parce que c'est vrai, je m'en souviens plus vraiment. Donc c'est un jeu qui est très morbide et sordide au passage, pour la rime, mais assez cartoonesque, hein, quand même. Il y a une main ici. J'ai l'impression que la main est mon ami. Ah. Bonjour. Te voilà de retour chez toi à Galomer. Les défunts en putréfaction ont quitté leur tombe pour danser avec les vivants endormis. Et ils n'auront aucun scrupule à te rompre les os. Ok. Ah, la caméra est assez violente par contre. Hein. Elle me perturbe cette main là. Bon. Ah mais il y en a plusieurs. You. Cette petite lueur qui te suit partout est un feu follet. Les héros du hall des héros ne sont pas censés se mêler des affaires des mortels, mais quand ils ont entendu dire que Sir Daniel Fortesque avait une chance de se racheter, ils ont décidé de t'aider à mieux apprécier les distances. Ils tournent autour des ennemis et t'aident à ajuster tes attaques à distance, mais il t'indiquera aussi certains objets que tu devrais examiner de plus près. On est quand même pas mal aidés. Oh. Oh, je fais pas mal bouger la caméra, donc j'espère qu'en live ça passe. J'ai perdu tellement de vie. Alors, je suis allé dedans un peu par hasard, je savais pas que ça régène. Je m'en souvenais plus du moins. C'est illimité? Ah ouais.
Ne laisse pas de vulgaires zombies te réexpédier 6 pieds sous terre. Soigne tes blessures en marchant dans cette fontaine de jouvence. Rune de terre requise. Ben, allons chercher une rune de terre. Par contre, là, vous voyez, il y a un petit truc. Bon, on verra plus tard. Rune du chaos requise. Oh. Ah mince, du coup j'ai raté quelque chose. Alors le jeu commence, j'ai déjà raté quelque chose. Hein. Alors j'espère que c'est pas dans les tombes. On verra bien, mais... J'entends d'autres... Ah! Et d'une. Non, bon, je pensais que l'autre serait là, mais... C'est pas grave. Donc la rune de terre, on a dit qu'elle était là. Elle était très difficile à trouver celle-là, dis donc. Il peut être utile de contempler la situation sous un angle différent. Pense à prendre le temps d'admirer la beauté du pays de Galomer. Ouvre bien l'œil, et tu pourrais trouver des choses intéressantes. Mm-hmm. Alors, une pleine lune. Paye ta beauté du pays. Ah mais c'est très beau. Tous ces corps en décomposition, des pierres tombales en ruine, des herbes qui ressemblent plus à rien. Et un personnage très... Regarde cette tête. Regardez-moi cette tête, sérieusement. C'est pas là que j'irai faire mon footing. Et pourquoi pas? Tu serais bien accompagné. Si t'as un chien, tu peux même lui balancer des os. Waouh, doucement, 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 bien sûr. Je vais tellement abuser de des fontaines de jouvence. Moi, profanateur, non, pas du tout. De ne pas l'oublier. Rien ne peut se soustraire au regard d'un ange. Ok. Je sais pas si c'est bon ou mauvais ce qu'elle vient de dire la madame. Il y en a un en face. Bonjour. Oups. Ah. L'objet que voici est le calice. Il se remplit au fil de tes victoires contre tes nombreux ennemis dotés d'une âme. Remplis le calice pour t'en emparer, et, ainsi auréolé de gloire, pénétrer dans le hall des héros
pour y faire l'acquisition d'une nouvelle arme. Tu trouveras un calice dans chaque région de Galomère. Mais comme tu t'en doutes, ils sont tous cachés ou bien gardés. Et oui, seul un véritable héros pourra les réunir jusqu'au dernier. Bien. Eh bien, au moins, nous avons notre objectif principal. Je suppose qu'il va falloir tuer du zombie. Hop là. Forcément, je m'étais trompé d'arme. Parce qu'après, il faut aller là. Oui, après, il faudra aller là. Ça, je pense que ça sera la fin du niveau. Des vivants t'attend par-delà ces imposantes portes sépulcrales. Le maître du mausolée, qui porte le doux nom de démon vitrail, est en possession de la clé sépulcrale. Bon, ben on a des informations sur le premier boss. Et on voit en haut à droite le calice qui se remplit. Bizarre ça. Voilà tout à l'heure. Ah. Voilà, je me suis perdu, ça y est. Que j'achète des poignards. Mon sens de l'orientation, aucun. Mais ça, c'est pas nouveau. Surtout dans un jeu. Poignard ou peau-poignard. J'aime bien l'épée pour le moment. Je vais garder mes sous. Nettoyer cette petite zone là et on va chercher le calice. Donc si moi je... Ah d'accord, c'est là ? Oui c'est là. Le calice. Ouh. Bonjour l'ange. Bon, je... Ah, voilà. L'herbe bouge très bizarrement quand même, même les feuilles. C'est comme si on était dans l'eau ou... Ou à Vachir dans World of Warcraft. Regardez. C'est perturbant. C'est un doux rêve. Peut-être, Nino, peut-être. Mais voilà la gueule du rêve quand même. Et là, on retombe ici. Très bien. Et là, je ne peux plus faire demi-tour parce que, comme un imbécile. Ah, quoique. Non, non, parce que je crois que j'ai bien fermé le portail avec l'ange tout à l'heure.
Est-ce qu'on peut aller dans l'eau ou est-ce qu'on peut pas aller dans l'eau? Prenez vos paris. De l'eau ou pas de l'eau. Quoi qu'il y a le zombie qui est dans l'eau là. Hop 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 hop. Non, je ne tape pas au hasard pour ceux qui se posent la question, j'essaie de les viser quand même. Un bouclier en cuir. N'hésite pas à aller barboter en eau peu profonde, mais évite le grand large. J'ai bien peur que les squelettes ne souffrent d'un déficit chronique de flottaison. Mais elle a qu'à se moquer de nous là, madame. Bon, alors, on peut aller dans l'eau, mais pas partout. Mais avant ça, comment est-ce qu'on ouvre l'inventaire? Option. Non, c'est pas ça. Reprendre, retour à la carte, non. Je voudrais mon inventaire, s'il vous plaît, parce qu'apparemment, je peux changer de bouclier. Ou alors, il s'est mis tout seul. Mais il est où l'inventaire? Non. Je ne sais plus comment on accède vraiment à l'inventaire, si on peut. Parce que d'un bouclier moche, je passe à un bouclier en cuivre. Est-ce que ça, ça a l'air... Ouais, ça a l'air d'être le nouveau bouclier. On verra bien. Et plouf! Ça donne envie d'aller voir ce qu'il y a sous les ponts quand même. La sauvegarde, au fait, parce qu'on n'a pas regardé, mais la sauvegarde est automatique. Elle est comment? Ouais, non, je crois pas qu'il y en ait un inventaire non plus, Nino. Mais bon, j'ai bien envie. C'est tentant, c'est tellement tentant. Bon, allez, tant pis. Restons raisonnables. Fais attention. Zarok attend derrière ses portes. Le maître a rendez-vous avec le démon du mausolée, tramant les intrigues les plus immondes. Les corps oubliés ont plutôt intérêt à se faire tout petits. Ma tête était retournée. Je dis ça, je dis rien. Est-ce que j'ai essayé Select? Il n'y a pas de bouton Select sur la manette de la PS4. Donc aussi une manette de PS normale, sauf qu'en fait au lieu du start c'est le bouton option que voici. Et il n'y a rien de... ok. Et au lieu du select c'est un bouton share, c'est le bouton pour faire des screens, capturer des bouts de vidéo ou carrément diffuser le jeu en fait. Et voilà. Ah bah, j'ai appuyé sur le bouton central tactile et voici ce qui nous apparaît. Bon, au moins tu m'as appris quelque chose sans le vouloir, merci beaucoup. Ah, je peux taper avec mon bras. Sir Daniel Fortes, que moi-même, un sac à dos ambulant, sac d'os ambulant, pardon. Revenu à la vie en cette glorieuse époque, de son vivant, il cumulait les pires tares, couards, menteurs, haut-parleurs ou beaux-parleurs, je confonds les deux. Pourtant, il semble avoir aujourd'hui changé. Pourra-t-il racheter ses errances passées? Zarok devrait se méfier des effets inattendus de sa magie noire. Morten, le ver de terre. C'est la gueule du ver de terre. Morten était si heureux le jour de la mort de Dan. C'est sûr, il a d'abord fallu faire un grand ménage dans sa nouvelle résidence, mais il y est désormais le seul locataire et il s'y sent bien. Forcément, la résurrection de Dan a quelque peu bouleversé, mais Morten est prêt à tout pour protéger son hôte et cela va sans dire le ramener au plus vite 6 pieds sous terre. Donc, en moi, j'ai un ver de terre qui se balade.
Gargouille savante, donc celle qui nous parle. Franchement, ça doit être d'un ennui mortel d'être collé à un mur à longueur de temps, surtout quand on a un esprit aussi brillant. Je comprends qu'elle est si mauvaise, les pauvres, elles passent leur temps à écouter les conversations des gens, à commérer et à se moquer des aventuriers un peu bizarres qui leur passent devant le nez. Les gargouilles marchandes, au Moyen-Âge déjà, il existait des distributeurs automatiques conçus pour soulager les aventuriers peu avisés de leur or. Les clients les plus futés peuvent bénéficier d'une réduction, mais il vaut mieux éviter de demander l'origine des produits proposés. Ah, attendez, il y a activé la narration. Au Moyen-Âge déjà, il existait des distributeurs automatiques conçus pour soulager les aventuriers peu avisés de leur or. Les clients les plus futés peuvent bénéficier d'une réduction, mais il vaut mieux éviter de demander l'origine des produits proposés. Bien, au moins on a quelqu'un qui lit à notre place, c'est cool. Nino, ah oui, c'était perfectionné à cette époque. Bah apparemment, tu vois, on l'apprend ensemble. Oh mon dieu, tout ce qu'il y a. Ennemi. Ces monstres sont des précurseurs. Ils sont revenus d'entre les morts bien avant que ça ne devienne à la mode. Il ne reste plus grand-chose de ton cerveau, mais ça ne les empêchera pas d'essayer de le dévorer. Quelques coups de lame devraient les achever. Tâche de ne pas les rater si tu ne veux pas te couvrir de honte. Eh bien, nous allons essayer. Il y a tout ça? Oh! Attendez, allié, ennemi, boss. L'intérêt de Zarok pour la nécromancie serait lié à un chien, fidèle compagnon de son enfance, qu'il s'est juré de ressusciter. Réfléchissons-y un instant. N'est-ce pas tragique? Finalement, tout ce que voulait cette pauvre âme torturée, c'est élever une armée démoniaque, asservir l'humanité et jouer à la baballe une dernière fois avec ce bon vieux monsieur Gratouille. Monsieur Gratouille. Tout ça pour un chien, Nino. Eh oui, tout ça pour un chien. Ah, allié ennemi boss, allié ennemi boss. Ok. Bien. On combattra avec le bras un peu plus tard. Va donc auxir un ou deux Zarok, on sait jamais s'il y en a plusieurs. Le hall des héros, je suppose. Et nous avons deux têtes. Enfin, deux têtes de gargouille. Hein. Une à gauche, une à droite, une plutôt verte, une plutôt violette. Et ça clignote en premier en bleu-violet, donc nous allons aller en vert. Bienvenue dans le hall des héros. Là où les plus braves guerriers de tous les temps passent l'éternité, festoyant, chantant et luttant à main nue. S'ils t'estiment assez valeureux, tu peux peut-être les persuader de te donner une nouvelle arme. Un don d'arme? Pourquoi pas? Ok, on va encore me faire acheter des poignards. Ah, et une nouvelle entrée dans le bouquin. C'est joli, hein? Pour rendre l'hommage qu'il mérite aux plus grands héros de Gallomère, tiens-toi devant leurs statues respectives et attends la révélation spirituelle. On ne sait jamais s'il y a un miracle qui arrive dans la Bible. Alors, on a quelque chose de nouveau dans le livre. Les plus héroïques des héros de Gallomère ont l'honneur de reposer au sein du Hall des Héros. Il s'agit d'un club privé auquel seuls les plus grands exploits permettent d'accéder. Qui dirige cet endroit? Aucune idée. Comment les héros s'occupent-ils à longueur d'éternité? Aucune idée. Mais tu peux me croire, on n'y trouve que la crème de la crème. Et ils ont bien mérité leur place pour y faire, ce qu'ils ont envie de faire. Ça donne pas du tout confiance. Nous avons ici un calice. Ah, je peux pas te taper dedans. Donc il y a marqué 1 là. C'est la coupe de feu de Harry Potter là.
Allez, sors le nom, on va faire le combat avec les dragons là. C'est moi ça? Translucide, ok, donc ça veut dire continue ce que t'as à faire et un jour tu seras ici. Bon, on sait qu'il faut aller là, mais on visite un peu. Il me semblait qu'il y avait plus de statues à l'époque. Oh, voilà. J'ai rien fait, c'est pas moi. Ça, c'est Uther. Lol. Il te faudra devenir un héros incontesté pour être digne d'accéder au niveau supérieur du Hall des héros. Rends hommage à tous les héros du niveau inférieur et, devant ton œil ébahi, l'escalier fantôme se matérialisera. Vous avez vu déjà un fantôme d'un escalier? Ben le voilà. YOLO! Bon, allez, on va... Ah, mais elles sont là-haut, les autres. Ok. Allez. Parlez aux héros. Capitaine Fortesque, c'est moi, Tim le Rusé. Comment ça se passe, la bataille? Ça, c'est un héros? J'aimerais tant pouvoir me battre encore à vos côtés, capitaine. Mais attendez, vous pourriez prendre mon arc. La détente est ultra rapide et vous pouvez faire ricocher les flèches contre les murs pour tirer dans les coins. Je l'avais à la bataille de Galomer après que vous êtes tombé. J'ai abattu le champion de Zarok, Lord de Cardock. Un coup net dans l'œil à pas moins de 100 mètres. Bien sûr, ça n'a rien de particulièrement intelligent de tirer dans l'œil de quelqu'un, capitaine. Oh, au revoir, capitaine. Super, génial, je me retrouve avec une arbalète. Elle est petite, hein, l'arbalète. Hein. Et j'ai des munitions, oh là là. Bonjour. Bon, ben on se casse, hein. Je vois pas s'il y a à faire en plus, donc... caméra sur... Ah, ceci est un futur geyser. Allez, go. Est-ce que t'as encore à nous parler, toi? Bienvenue dans le... Ok, c'est bon.